conseil yon yon ça, parce que nous connaissons archive toujours là, moi-même dis-nous, nous toujours fait travail pamnan comme citoyen, engagé, conscient. Le koun ya pral gen yon déblozay ki pété côté que gang 400 Marouzo yo kidnappé 17 missionnaires dont 16 citoyens américains. Dame ça qui sou écran, dame ça qui a Dieu là. C'est à partir de ce moment les États-Unis pral ouvrir une enquête. Yo pral joindre dame ça qui est lié Tunis alias Titeur ou bien Dieu, c'est comme ça relé dans base. Dans enquête yo pral mener, la justice américaine pral constater que dame de la Floride étant c'est yon mob 400 Marouzo qui a fourni zam dans pays. Yo pral arrêter dame ça et pendant m'a parlé là, li condamné pour 12 l'année plus 6 mois d'emprisonnement. Et yo pral arrêter encore une fois deux autres citoyens qui sorti dans même zone nan et yon se cousin yon toujours qui sorti sous 10 000 sous sous quoi des bouquets sous guidon qui a frappé. Bon moi essayer garder pour nous yon article qui très long, m'a pour si m'ta faire résumé ya, mais Jean lié là m'a dit tout ça moi dans article là parce que gen non qui cité m'a regarder moi-même qui ça article là dit m'pa vle ni ou été ni mettre même si l'homme nan a dépassé mais m'obligé faire travail ça. Son texte qui en anglais, nous essayons de mettre en français pour nous aider à comprendre, mais nous essayons de garder pour nous dire en créole clair pour nous voir qui ça yo dit nous dans le texte. Pas oublier, après tout déblosage, ça yo été obligé de rentrer ici aux États-Unis à Yon Yon. Et c'est ça qui fait moi-même, je voulais quitter, ça fait l'homme ouais. Et non sénatus qui cite pas dans texte là non sur réseau social yo qui dit que yo yon cité non que m'poko wè dans texte là Monty Crass pose question si sénatus ta en complicité ak yon s'il te faretel est-ce que c'est bouche li tape c'est bouche pou pa te parler parce que pas oublier lè ou te kidnappé ces missionnaires yo. C'est une tentative qui t'est faite et dans une émission, l'amour sans jour t'a parlé, justement. Côté que monsieur dit, hein, ben regardez-moi. Ok, non, je vais regarder tout le texte là pour me garder ça. Maintenant, là, on fait tentative pour libérer monsieur, il y a un juge qui fait tentative pour libérer monsieur. Eh bien, justement, Sénatus est monté au créneau pour lui dire non, pas libérer monsieur, etc. Là, Monty Crass dans la confusion. Et si, malgré tout ça, Sénatus est fait pour te combattre avec ça, et pour monsieur, tu as en complicité avec gang ça, ça t'a voulu dire Haïti, pas de monde encore, qu'on moun ka fo minimum crédit. Par exemple, bon, Gonti archive là, m'a rappelé lui, nous sommes juste. Qui est trois têtes. Hein? Tomaso. Hein? Roi de Bouquet et Gontier. Allez, l'encore, ti John. Il y a un gang qui est trois têtes. Hein? Tomaso. Hein? Roi de Bouquet et Gontier. Hein? Gang ça, il y a la dedans qui est en prison. Il y a la dedans autorité là, de la Croix de Bouquet, là, il y a déjà. Moi-même, comme sénateur de la République, je ne vais pas m'accepter ça. Parce que la société a dû protéger, et c'est nous-mêmes les avocats, c'est nous-mêmes les magistrats, c'est nous-mêmes les parlementaires qui appelons pour nous bailler le ton à la société Sabrani. Donc, moi, je viens pour me dire à responsable de la police qui est dans le département, non. Dieu nous a privé sous nous. Claire. Nous connaissons une situation difficile. Oui. 2 mars 2016, on quitte le marché. Maintenant, bon, moi entrer dans l'article Miami Herald. Ça, c'est l'article qui publié. Par contre, il y a l'autre qui sorti pour regarder. Mais c'est l'article qui parlait de. Eh bien,
procureur fédéral yo qui mande yon peine prison à vie pour chef gang haïtien qui très connu qui lui-même te plaidé coupable dans l'idée justement pour faciliter achat ak trafic zam et puis gros calibre qui sorti vers Florida zam la guerre. D'après ça, gouvernement américain hein, signalé. Écoutez la société. Maintenant, attendez. Germine Jolie, que tout le monde connaît dans yon. Monsieur, c'est chef gang 400 Maozo. Monsieur, te plaide coupable. Non, année ça même. Monsieur, plaide coupable. Nous songez ça, nous t'ai parlé sous ça. Devant un tribunal fédéral américain pour trafic ZAM. Après monsieur avec trois complices en Floride, il était inculpé et c'est un juge, c'est grand jury qui pour violation loi américaine yo sous affaire porter ZAM ou bien voyer ZAM dans pays étranger en Haïti en particulier et puis blanchiment l'argent. Avec l'autre crime encore. Complicio, yo tout gen nationalité haïtienne. Yo te recevoir pour pipiti $28,000 américains par virement bancaire. Qui donc yo fait. C'est yo gen gros contact, yo fait gros bagage, vous comprenez? Ça dit c'est banque, c'est sous banque yo fait virement. Yo te recevoir pour pipiti $28,000 vet pour acheter plusieurs armes, des dizaines d'armes semi-automatiques. Dans l'idée pour aider à alimenter eh ben entreprise ça qui là pour tout le monde seulement n'importe au prince qui c'est capitale pays d'Haïti. En avril 2021, 400 Maozo yo kidnappé un groupe religieux prêtre catholique. Parmi moun sa yo, c'est gagné ressortissant français là-dedans, on songe ça. 6 mois après, même groupe ça a kidnappé 17 missionnaires. Parmi eux, il y a 5 timoun. Dans yon mission qui relè Christian Aid Ministries qui basé dans Ohio, ici aux États-Unis. Alors que pendant machine yo t'a traversé territoire gang yo, après yo t'a sauté visiter yon orphelinat qui tout près. Et ben tout sauf youn qui était citoyen américain et sauf youn là-dedans yo, mais tout c'était justement eh ben citoyen américain était nous songe était 17 c'est on croit était un grain canadien mais tout c'était américain moun sa yo te kembe yo pendant 62 jours le sang pile parole t'a parlé comme quoi bon finalement ces derniers coups États-Unis a débarqué a bay pression média parlé. Et puis finalement, ils ont négocié, ils ont libéré les gens. Pas de problème, quittez le marché, tonton, et d'avancer. Alors que, il y a un rapport au bureau fédéral qui recommandait Joli, qui donc yon, qui a 32 ans sous tête, li, timouna, yé, wapa, pour monsieur condamné à 20 ans prison. Plus 36 mois probation surveillée. Procureur fédéral yo, yo pas d'accord. Moun sa te mande 20 ans, pas fin bon moun non. Son bureau gon rapport bureau fédéral probation qui recommandé 20 l'année pour prison pour yon. 20 l'année, oui. Ça a dit 20 l'année, il a bien 52 ans, 56, 52 ans après. 20 l'année, il a bien 52 ans, les jeunes garçons toujours, il plein vieux rêve sous lui. Nous pas faire ça. Mais procureur fédéral yo pas d'accord. Mais ah, moun sa m'a marché. Bravo procureur yo. Yo mandé yon peine d'emprisonnement à perpétuité qui donc pour jouk la fin. Monsieur Bakalage. Qui d'après yo même c'est ça qui approprié à qualité zak yon fait dans pays ça. Monsieur responsable yon activité illégale spécifique qui gagne là-dedans condamnation pour blanchiment l'argent. Yon paquet moun que monsieur prend en otage. On série citoyen américain face à quantité de cas ça au monsieur fait dans pays yon, et ben seul sort qui réservé pour lui c'est prison à vie. Et ben
Dans mi temps dossier si là, c'est pas qui pas seulement kidnapping missionnaire yo. Eh bien joli. Donc qui pas joli mi nous pas non. Germine Joly alias Yon. Monsieur fait face à un procès séparé pour accusation si là yo. Mais ça fait kidnapping non. Sous trois citoyens américains entre juillet et puis août 2021. Pendant période ça, procureur a affirmé que Yon était impliqué dans facilitation yon projet complot ZAM et puis qui était décidé ZAM si la yo ta supposé acheter pour gang ni en vin menon série opération violente dans zone Port-au-Prince et puis monsieur était tout responsable et ben gestion à contrôle activité gang si la yo activité criminelle nèg sa yo côté pendant l'an de prison hein. C'est monsieur qui contrôlait gestion et puis paiement rançon moun yo et son vérité à bail là. Ta dit pendant mission dans prison, c'est lui même qui dit kidnapper un tel dans prison li oui, mais l'argent pour bail et les l'argent bail c'est lui même qui pour négocier comme là. Son pays difficile ou papa. Donc selon m'a pli là article long article Miami Herald là. Donc délit ça yo bagay ça yo démontré yon mépris total non seulement pour la loi ak sécurité États-Unis, mais tout, yon mépris total pour pays, le sort du pays d'Haïti, ak peuple haïtien. Et Haïti même pas gagné du tout. M'badou la, bon, malheureusement, m'di malheureusement, parce que nous pas de kidnapper personne. Mais, gon konfret te font analyse, gen moun ki te kouri de yel. Mais si yon pas de kidnap américain, yon brap, jam kon si moun sa yon te nan kidnapping nan, non? Ta di moun sa au Florida a bien mené. Là y a boule gros machine Florida là a bien mené. Et puis mande ko ti a travail. Yo pa nurse, yo pa médecin, yo pa nèg choc moi yo. Ou comprenn ça m'dou. Mais pa gonse de travail que yo pa gagné. Et pour y a boule gros machine cher, belle caille, y a bien viré. Pourtant, c'est moun sa toujours mande, yo kap attaquer sou fo non sou réseau a trop papa. Kabdo tete, et on parle de gang, c'est pas gang yo danger ya, c'est pas yo. Ah ben OK, pas un problème, quittez le marché tonton. Ndou wè ça son message vous voyez là. Donc ça veut dire que yo dit c'est un mépris total pour loi américain yo. Dans pays d'Haïti d'après ça procureur yo déclaré dans un document judiciaire que yo déposé avant condamnation et Jolia 24 juin kap, monsieur vous condamné là non? 24 juin numéro 24 qui l'a condamné là. Hein? M'a oublié là un texte là, trop pressé, c'est un long texte m'a oublié. Oui. Donc tendez oui, monsieur Kounia yo mandé avant même condamnation monsieur 24 juin qui a venu là. Procureur yo mandé face à qualité crime monsieur responsable dans pays d'Haïti ainsi que États-Unis, monsieur doit condamné à vie. Avocat yon, il y a avocat tout pas. Avocat yon, contesté. Tendez oui, yo contesté évaluation preuve si là yo. D'après ça, yo di, yo pas d'accord avec procureur yo, avec recommandation procureur qui mande, yon peine d'emprisonnement à vie. D'après ça, yo di que non, yo pas ta supposé, eh ben, voye monsieur, comme si nan prison plus que 17 ans, ta di moins que 20 ans. En prison que ou ta doué bal. Ou ta de nek sa yo. M'gal gade non avocat sa. Gade non pays difficile papa. Tende bien. Position ferme procureur yo. Bon, vis-à-vis joli yon. Li te considéré comme yon nan pi gros chef gang. Yon chef gang pi criminel dans pays d'Haïti. Avant même yo te voye le vini aux États-Unis en mai 2022. Pour monsieur jugé dans Washington, eh bien, il vini dans un contexte de pression. Côté que autorité américaine yo, eh bien, y a fait davantage pour indiquer flux illégal zam, quantité zam illégal ak bal kap rentre dans le pays d'Haïti. Gang haïtien yo, qui gen toute qualité zam sa yo, côté qui sorti surtout vers les États-Unis, principalement. Nan port maritime Floride là, ah pa y a parlé cause ya. Dedans din san bat croire moi. Tenez bien, yo responsable des milliers de morts et de blessés seulement pour année ça qui saute passer là.
ça poussait justement pays d'Haïti au bord du désastre, catastrophe totale. De dire ça, de dire que si États-Unis veulent pas d'un petit coup de main, nous pas même besoin aller Kenya, non. Premier bagage pour nous faire, c'est empêcher les amis entre Haïti ou nous pas faire les amis. Empêcher yo, nous pas un contrôle en. Bon, moi continuer. Avant, yo te une mettez ensemble en fin février a, pour te tenter renverser gouvernement à l'époque. Groupe criminel armé en Haïti yo te envahi et puis pillé un paquet de poste police, mettez di fait dans diverses écoles à l'hôpital et puis libéré plus passé 4000 prisonniers. Parmi yo on série de chef gang. Après au fin fait tout déblosa ici là yo dans deux grands prisons payants. Eh ben tribulation ça attribué ak ça n'est capable dit forcé premier ministre là rien en Haïti tout en Haïti lié ça t'est forcé monsieur eh ben rester dans camper loin jusqu'à présent qui nèg ça gèl la c'est yon kaprelem Osno Polini ou pas kaprelem le ça m'a parlé de yon eh ben famille yon yé mettre là attendez bien m'a blon article long pour finir kaprelem dans le ça oui attendez eh ben yon rappelé que déblosa nèg exam fait dans pays d'Haïti. Côté yon libéré plus passe 4000 prisonniers. Côté yon krasé deux gros prisons dans le pays. Eh bien, c'est chaos ça yon qui contribue à forcer Ariel Henry, premier ministre paysan, rete dans le campé loin. Et puis, by naissance avec une nouvelle transition politique, eh bien, en bas l'ordre administration Biden a dirigé. Et puis, une série de dirigeants dans le Caraïbe là, ça n'est le CARICOM. Bien que attaque ça a fait chaque jour dans le pays, yo anti crasse yo diminué pour kounya. Oui, yo font anti diminué. Ça veut dire déblosage qu'a fait chaque jour yo, terreur qu'a continué alors que gen des millions moun. Oui, on sait un paquet moun qu'a continué gourmet pour comment capable joindre anti manger. Parce que Nations Unies rapporté gen près de 580 000 haïtiens. Soit une augmentation de 60% entre mars pour arriver juin ça qui désormais on série de déplacés en raison de vagues violence qui établit dans pays a ak yon série kidnapping qu'a fait chaque jour tendez la société donc yon peine qui paraît trop clément qui capable ou bien qui t'a transmettre yon message qui pas fin trop clair donc yon message erroné notamment ak chef gang yo qui rete en Haïti k'ap continue si medey un déblosa nan pays an et puis commettre une série de crimes contre citoyens américains yo déclaré pour ki k'ap parler yo dit que donc peine ça y a bay joli ya hein Jean Yonyon yo estime que c'est ça qui approprié pour yo bay mouché donc la cour là li pral voyon message by tout chef gang yon en Haïti. Tendez bien ou parti ça qui donc condamnation yon son message y a voyé by tout chef gang. On sa k passe là a pa yon quoi gen visa avant ISO. Kounya ISO rit là dans village, bon il va il font gens là. Pas moun la fil Biden pour ISO. ISO pour le boucaner, il a appelé vite l'homme. Pas moun la fil Biden pour yo. Eh non, yo ta venu visiter ici tout. Yo dim commandant Jean la détective lui ben aptan nèg yo la depuis dans airport la chercher yo bon moi yo pa fil pour yo et bien procureur yo estime que condamnation yon c'est pral yon message clair voyé by tout chef gang yo pour violation loi américaine yo et puis qui c'est des bagages yo puni sévèrement ici aux États-Unis donc tendez bien kounya nou commencé à aller clair dans bagages yo. Dans diverses notes séparées qui adressé à juge dans district américain n'a parlé de juge district américain John DeBet yon ak avocat yo fait qu'on est monsieur t'a supposé bénéficier yon peine qui réduit avocat on va fin comprendre non monsieur peine si là li pa ta supposé dépasser 17.5 années qui donc 17 années et demi pas même 18 là pas contre ça qui yon
An dou nèg sa yo. Yo pa parle créole, fòn parle créole monsieur. Avocat sa yo. Nou gèlè pa tande ti koz ak tete. Partage émission ba avocat sa yo. James Pierre ou suiv dossier sa, di avocat ou tande tete. Aide yo comprendre si yo pa parle créole. Nan wè pa comprendre sa ki yon an, non? Yon pa mdou monsieur. Ou nèg sa ti yon? Son nèg pou nta fou en balan mè, oui. Se ou gèlè pa comprendre. Ou nèg sa ti yon? Son nèg pou ta fou en balan mè. Pour j'ai pas jambe croisé avec. Mais qu'on y avocat au mandé fois ba monsieur 17.5 ans de prison. Oui? Rete. Qui est-ce qui avocat monsieur? Avocat yo c'est Allen H. Orenberg. C'est Ilata Amato. Non ça va pas haïtien. Yo pas haïtien. Yo dit que yo fait comprendre comme si gagné un paquet directive fédéral qui t'a supposé aller sorti 78 pour arriver 97 mois. Yo fait comprendre que gouvernement li pas capable prouver ak procès ben pour aller au-delà de tout doute raisonnable. Yo dit que yon te participé c'est vrai dans divers cas enlèvement citoyen américain ou bien il était capable responsable en série de enlèvement sous base conduite li pertinente et pas ça n'a pas l'avocat donc deux avocats yon déclaré que faut qu'on réduction en peine yon vous comprenez donc yo dit que nous pas doit faire rien pour comme si rendre plus faible et fait peinant donc mais nous devons justement bail mission peine qui correct ak sa reproche l et ben bon m'dou avocat yo seul baga qui correct c'est ça juge fédéral yo dit c'est à perpétuité qui donc pour la vie m'dou monsieur son nèg pour nta fou en balan mais pour comme si pour chrétien vivant par am croisavel c'est gros requin c'est yo même c'est dauphin yo parce que dauphin gros gens gérer nèg yo. Hein ouais dauphin yo, là au monté sous gon Jean Ogero, c'est dauphin au tadoué croisat monsieur dans la mer. Vous comprenez ça m'dou avocat yo. Jéréba yo. Donc tendez bien, donc avocat yo parler de réduction de peine pour client yo qui c'est yon. Eh bien yo gen cop dans mer tout parce que si yo. Yo gen cop papa, ne pas connaît. Eh bien justement, yo estimé que gen yon peine qui paraît plus longue que peine Elian Tunis. Qui c'est yon complice qui également accusé bon côté et qui côté bon moi bon côté pas yo accusé le tout nan ak accusation qui gagne 48 chefs d'accusation d'après ça ou dit c'est tape yon bagay qui manifestement injuste et puis son erreur judiciaire avocat parle français a dit yo estimé yo bail madame nan et on ticrastan et puis yon mandé pour yon bali à perpétuité yon pas d'accord pété coquin plutôt nan mois sot passé là Elian Tunis n'a gardé sur écran qui c'est femme Pambano Beach rete Pambano oui Pambano Beach et ben son petit John ou papa et ben li condamné pour le passer 12 l'année ak 6 mois fermé derrière baou nan mars là gagné l'autre monde qui accusé avec qui c'est Walder Saint-Louis, on dit parler nous sur ça déjà. Monsieur c'est cousin joli. Monsieur condamné pour le passer 36 mois prison. Et jouer n'a joué. 36 mois prison. A dit à blague monsieur avant là, t'allais comme ça et puis là qu'il y a la vienne coule sur réseau là, vienne attaquer tété. Américain a bêtisé. Attendez. Donc gagné co-accusé à c'est Walder Saint-Louis qui c'est cousin yon. Et puis gagné Jocelyn Dor. Qui sont l'autre complice, monsieur condamné pour le passer 60 mois fermé derrière barreau. Tendez bien. Mais ça joli minou mandé. Oh non. Pas joli minou non. Joli Germine alias Yonyon. Yonyon mandé est-ce que li capable al puger peine dans région sud Floride la pito. Oh il gen les Floride là. Tendez pour qui ça rue de la société. Monsieur Doué, pi gros crainte gen là. C'est que m'pata reme maman mouri pendant moi dans prison. Ouais parole yo, tendez bien pays ya. Monsieur dit pi gros crainte li gagné, li pata reme maman l mouri
pendant li fermé en dedans prison.